Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et je suis actuellement à l'aéroport pour partir en tournage. Comme je vous ai dit la semaine dernière, je vous emmène avec moi et je vous donnerai pas mal d'informations sur comment ça se passe en amont et en aval d'un tournage. Allez, suivez-moi. Je suis arrivé hier soir, j'ai pas filmé, c'était pas très intéressant entre l'atterrissage, le taxi et l'arrivée à l'hôtel. Et là on est à H-2 du tournage, donc je pourrais pas vous emmener avec moi sur le set de tournage, mais je vais vous parler un petit peu de comment ça va se passer sur place. Donc sur place, une fois arrivé et qu'on a salué toute l'équipe, on va s'asseoir au bureau avec le producteur exécutif et la coordinatrice d'intimité. On a tous les contrats préalables à signer, donc les autorisations de diffusion, les droits à l'image, et avec la coordinatrice d'intimité, on remplit le questionnaire de consentement. Une fois que le questionnaire de consentement est rempli, on se retrouve avec tous les acteurs et les actrices qui vont travailler sur cette scène, on s'échange nos formulaires de consentement. On demande à l'oral s'il y a des spécificités particulières, des choses à retenir pour avant la scène. On se présente nous-mêmes nos tests, les tests IST, MST de chacune des personnes qui vont travailler sur cette scène. On se les partage, on vérifie si tout va bien. La prod l'a fait de son côté, mais c'est important que nous, en tant qu'acteurs, on le fasse aussi pour se sentir en sécurité, sachant en plus qu'on travaille avec usage du préservatif. On va avoir un petit shooting photo. Généralement, c'est simplement l'actrice, et il arrive que ce soit l'actrice et les acteurs. Une fois qu'on est au point et que la technique est au point, donc les caméras sont positionnées, le son est en place, les lumières, tout est en place, on commence. Donc la fin de tournage, on est au restaurant, on sort du restaurant, et qu'est-ce qu'on voit ? La Tour Eiffel et Paris sous la neige. Come on, baby! Welcome to the party! Bon alors, il est minuit, monsieur vient de rentrer et regardez oui. Ce qu'il fait. Je viens de rentrer de tournage et en fait, j'étais impatient. Je voulais tester, ça c'est les bandes LED qu'on trouve chez Action qui font toutes les couleurs et tout. Et en fait, j'ai imprimé en 3D un logo qui va ressembler à ça. Hop. Tac. Et je voulais tester un ruban qui normalement et brancher à la prise secteur, de faire une soudure et de mettre une pile tout simplement. Donc il me fallait, c'est un chargeur 12 volts, il me fallait une pile 12 volts, il me fallait un adaptateur pour brancher la pile. J'ai fait ma petite soudure pour tester, je mets en position, je prends la petite télécommande et là, magie, ça s'allume. C'est une belle magie ça. Et donc ça, ça va se mettre dans l'intégralité des lettres qui sont là, que je vais coller. On va mettre du papier aluminium à l'intérieur pour que ça réfléchisse encore plus la couleur. Et puis à la fin, là, une fois que ce sera fini, je vais imprimer des capots en blanc transparent. Mmh. Et donc on verra le scintillement. Et ça va nous faire un super logo pour YouTube. Et voilà. Donc là, il manque les capots transparents à mettre dessus. Et après, ça fera un truc vachement sympa. Ça part en print. Et demain, c'est fini. Et voilà, le logo est terminé. Donc, il y a un petit interrupteur ici. Et là, bah, pou, pou, pou. Voilà donc sur la route pour la salle de sport pour ouais. Chloé et moi seulement.
Et monsieur va chercher mes lunettes. Et ouais, ça y est, je dois porter des lunettes. De vue. Quand je conduis, je vois plus trop ce qui se passe sur, sur la droite. Donc bah, voilà, ça y est. 30 ans passés et on va remettre des lunettes. Ouais, bon, je me sentirai moins seul au moins. Ouais, il n'y a que moi qui est dans la team sans lunettes. Ouais, pour le moment, on profite. Bon, ouais, sinon, vous êtes contente que je sois rentrée ou pas? Bah oui, on est contente. On a retrouvé notre bibi. Alors, comme vous avez vu hier soir, moi, je me suis donc amusé avec, avec le logo qui sera sur, sur la FAQ. Pourquoi pas, d'ailleurs. Et j'ai fini ce matin. Il me restait encore quelques pièces à imprimer. J'avais fait tout un circuit électrique qui, au final, ce matin, s'est mis à déconner. Il y a une soudure qui a lâché. Donc, je croyais que tout était mort. Et Chloé a une super idée de me dire d'utiliser un voltmètre pour voir où est-ce qu'était la perte de courant. Donc du coup, bah, c'était bien une soudure qui avait lâché. Et j'ai trouvé ça très rapidement. Et puis après, il a fallu le ressouder, finir d'imprimer les capots. Et comme vous avez pu voir juste avant, tout est fini. Donc c'est trop trop cool. C'est trop beau. Ça rend trop bien. Ah ouais. On se fait un petit setup là. Vraiment pas mal du tout. Comme dirait Amixem, pas piquer des hannetons. Ouais. Enfin, je crois qu'il disait ça il y a plein de... Oula, il y a au moins 5 ans, 6 ans, non? Dites-nous en commentaire, Amixem, il disait c'était pas piquer des hannetons il y a combien de temps? Parce que je crois que je suis vraiment vieux, en fait. Ah, tu vas chercher des lunettes, quoi. Ouais, c'est vrai. Bip. Bon, ça y est, je viens de déposer les filles. Là, moi, je vais chercher mes nouvelles lunettes, du coup. Je vais essayer de vous vlogger ça si on m'envoie pas dehors avec la caméra. C'est trop mignon. Ils ont toujours pas retiré les décos. T'es mal nounours. Bon, direction Optique 2000. Et voilà, avec les nouvelles lunettes. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis plutôt content. C'est la forme qui me va bien, j'aime bien. Donc, je vais aller voir chez le coiffeur maintenant s'il y a de la place pour couper un peu cette tignasse. Pendant ce temps-là, chez les filles. La reprise après une petite semaine malade. Ouais. Ça va? C'est chaud aussi. Ouais, hein. Mmh. Et puis la clim, ça y est. C'est chaud là. En plein hiver, y a pas la clim. Enfin, y'a pas le choix. Il fait les fessiers là. Et trust. Et toi? Do? Do. On est complémentaires. Ouais. Bah. Avec ma grosse tête là. On est bancaire là. Ouais, t'es un peu. Ouais, ça va? Vous allez bien? On est toujours très bien avec attends, moi. Attends, j'occupe un peu plus d'espace quand même. Voilà. Avec ma queue de sienne. Ouais. Voilà. Je brille du nez, est-ce qu'on est? Ouais. Vous avez failli tomber. Bon, pas de chance, pas de dispo chez le coiffeur. J'en ai fait deux. Les deux, il y avait des coiffeurs qui étaient à côté en train d'attendre et de boire un café, mais ils n'avaient pas de dispo pour une coupe. Bon, tant pis. Et d'ailleurs, elles font quoi les filles en ce moment? Madame a fait une bonne séance. Oh, elle sait pas boire. Elle vient d'inonder le vestiaire. Bah là. Je croyais que c'était. On aime partout, c'est pas de la transpire. Je croyais que c'était la fin de ma gourde, du coup j'ai versé, mais en fait c'était pas ça. Ça me fait vraiment bizarre, j'ai l'impression de perdre mes repères visuels quand je marche. C'est-à-dire que j'ai l'impression de tanguer comme si j'étais ivre. C'est très très particulier. Alors je sais que ma correction vient du fait que j'ai les images déformées de base. Et là quand je marche tout droit, j'ai vraiment l'impression de faire des zigzags. C'est... très particulier. Bon allez, go rejoindre les filles. Oh là là, regarde-moi ce massacre. Ça va toi là? T'es éclate? Ouais, mais t'es de l'autre côté, elle a rien fait. Oh là là, le massacre. Abracadabrus, Rangus! 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 Abracadabrus Rangus? Oh, mais avec la bouffée, mais... Abracadabrus, je fais n'importe quoi! Petite outfit du jour. Je pars refaire mes ongles et mes cils. Je vous montre tout ça juste après.
Les cils sont faits. C'est trop trop beau. Et j'ai refait mes ongles. Je sais pas si vous voyez très très bien, mais du coup c'est un petit rouge. Bien bien flashy comme j'aime. Et j'ai fait pareil aux pieds. Du coup voilà, go rejoindre mes petits chéris et on se retrouve tout de suite pour la FAQ. Bon, si on se retrouve à ce moment-là de la vidéo, ça veut dire que tu as eu le courage d'aller jusque-là. Donc merci à toi, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et donc c'est la fameuse FAQ en trouble. Tada ! C'est parti. Alors Chloé a recensé toutes les questions que vous nous avez posées et on a rajouté les questions que vous nous posez aussi énormément sur TikTok et Instagram. Première question, en trouble, ça veut dire quoi ? Bah, je vais répondre sur ça. Alors c'est comme un couple, mais au lieu d'être deux, on est trois. Voilà. Aussi simple, c'est efficace. Et chez nous, c'est le même amour, partout pareil. C'est ça. Deuxième question, comment on s'est rencontrés ? Ah, ça c'est moi qui réponds. Eh bien tout simplement, pour commencer, James et moi, on se connaissait avant, on fréquentait la même salle de sport, on a commencé à s'entraîner, à se parler, à discuter. Et puis un jour, il me dit qu'il va se marier et malheureusement, son photographe l'a planté. À cette époque-là, j'avais un hobby, la photographie. Et je lui ai dit comme ça, sans réfléchir, ben, je viens. Tu me dis quel appareil photo tu as et puis je viens. Je prends ton appareil, je te fais les photos. Et puis vient le jour J, j'arrive au mariage, je vois Chloé et James dans leur tenue de mariée. Quelques photos maintenant. Oh. Et puis là, c'est le coup de foudre, mais total pour tous les trois. C'est inexplicable, on peut pas vous dire c'est l'un, c'est l'autre, non. Tous les trois, il y a eu ce feeling en même temps. Elle a pas chopé le marié, elle a chopé la mariée et le marié. Deux fois les gars. Et dans l'histoire, qui a fait le premier pas ? C'est moi. Alors, dis comment tu l'as fait ? Eh bien, on s'est retrouvés lors d'une soirée à manger des sushis. Ce jour-là, elle a tenté de m'apprendre à manger avec des baguettes. Spoiler alerte, elle y arrive toujours pas. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, je mange avec une fourchette mes sushis. Ouais, je lutte, hein, mais il n'y a rien à faire, elle est détruite. Voilà. On a fini cette soirée, James devait raccompagner Mia, puisqu'elle n'avait pas le permis à ce moment-là. Et du coup, bah, juste avant qu'elle parte, c'était tellement cool que j'ai pris les devants. Et je l'ai embrassée pendant que James allait ouvrir la porte. C'est ça. Donc il a pas trop compris ce qui se passait, mais voilà. Et j'étais consentante. On précise. Elle est revenue, donc il n'y a qu'à supposer que tout s'est bien passé. Bah, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Plutôt très bien. Mais... bientôt 5 ans. Qui dort au milieu ? C'est moi. Tu es la plus petite, tu es celle qui prend moins de place. On l'appelle passe-partout dans le milieu. Heureusement tu pars mec. Comment faire pour qu'un couple fonctionne et y a-t-il de la jalousie entre nous? C'est la question que vous nous posez mais tout le temps, je pense que c'est ce qui vous intrigue le plus. Ouais, ouais. C'est vrai ça. Bah écoutez, quand les deux là s'embrouillent, c'est... oh, arrêtez les enfants. Hein. C'est à peu près ça. Ouais. Non, comment expliquer ça? En fait, on a beaucoup de communication entre nous. Ce qui fait que, comme on est trois, si par exemple, entre James et moi, il y a un petit truc idiot, une broutille, un truc qui a pas plu, voilà, il y a Chloé qui va arriver, qui va dédramatiser le truc et qui va faire, mais vous êtes sérieux, vous embrouillez pour ça? Il y a toujours ce qu'on appelle un médian, c'est comme ça qu'on le qualifie. Un médiateur. Un médiateur. Médian, médian, elle a dit. C'est pas grave, tu le garderas. Tu le garderas, c'est drôle. Je m'en fous. Et pour dire, encore une fois, c'est ce qu'on a beaucoup répété dans la vidéo de Thibaut InShape, mais c'est comme un couple, il doit y avoir de la communication, énormément de communication, surtout dans les moments un petit peu difficiles. La seule différence pour nous, c'est qu'on est trois. Question suivante. Comment votre famille a réagi ? Bon, c'est pas bien compliqué. Ouais. Les personnes proches de nous qui étaient contents pour nous, parce que notre aventure est incroyable, parce qu'il y a énormément d'amour, bah, est resté et ça se passe très bien. Et la partie de nos proches, que ce soit de la famille ou les amis, qui ne l'ont pas supporté, pas toléré, bah, ils ont fait leur chemin. On n'impose notre bonheur à personne en fait. Ce qu'on appelle la sélection naturelle. Entre ça et le médian, on est bien. Quoi, c'est vrai? La sélection naturelle. La sélection naturelle. Prochaine question suivante. Comment gérer les conflits entre vous? Il y en a pas.
conflit entre nous. Comme il n'y a pas de jalousie, elle m'a craché dessus. Aidez-le. C'est Bibi qui se tape tout le montage de cette caméra-là et de cette caméra-là. C'est moi qui me tape tout le montage. C'est souhaitez-lui bon courage dans les commentaires. Tu as des alvéoles d'oche au-dessus de ma tête. Non, vous ne l'étiez pas là. Du coup, sur vos têtes, tout de suite maintenant, il apparaît ça. Ouais. Du coup, prochaine question. En dehors du sport, quels sont vos hobbies? Les balades, ouais, les paysages surtout. Ouais. C'est pas tant la marche, c'est plus les paysages. On est très sensibles tous les trois et très réceptifs à tout ce qui est beau paysage, terre, mer, neige. Découvrir, ouais. Ouais. On est visiter. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on aime d'autre aussi? Manger. 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 Ah mais... oui, on aime aussi le... Les parties de Scrabble. Le Scrabble. Le Scrabble. Le Scrabble, c'est cool. On est à un bon niveau. Ça fait partie de la vie. Ouais. Le Scrabble. Le Scrabble. Bien le Scrabble. Régulier. Matin, midi et soir. Question suivante. Est-ce que dans la rue, vous donnez la main? Et si c'est le cas, est-ce qu'on vous pose des questions? Alors une chose est très simple. Si on se tient tous les trois la main. Plus personne passe. Vous passez comment sur le trottoir? Déjà, les trottoirs sont pas assez larges. Qu'on soit clair. Ça paraît évident, mais on n'impose pas ce qu'on vit aux autres. Donc dans la rue, on va pas se tenir la main tous les trois, on va pas se tenir la main à deux, parce que ce serait exclure une personne. Donc on ne se tient tout simplement pas la main. Ce qu'on vit entre nous, c'est génial. On s'expose sur les réseaux pour ceux qui veulent nous suivre. Pour les gens dans la rue, on n'impose pas notre style de vie, tout simplement. Avant-dernière question. Si vous avez un enfant et qu'il subit du harcèlement par rapport à notre troupe, ou à notre métier, est-ce qu'on en a peur de ça? Toute forme de harcèlement est à proscrire et il faut être extrêmement ferme sur tous ces sujets-là. En tant que personne en trouble ayant un style de vie très différent de la normale, on aurait une attention très particulière à ça. Et si un jour on avait un enfant, on aurait la chance qu'il puisse vivre dans ce que nous on va appeler notre monde idéal. Il pourra grandir avec nos valeurs, avec une grande ouverture d'esprit. Ouais. Sans jugement, sans... il sera ses propres avis. Voilà. Et il défendra ses valeurs. C'est ça. C'est important. Ouais. Donc non, il n'y a pas de crainte particulière vis-à-vis de ça. Ouais, non. Allez, dernière question. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Clairement. Bon, et bien voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui l'ont regardé du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous soutient énormément. N'oubliez pas également qu'à 1000 abonnés, on offre une pochette plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et partager. Surtout. Partagez surtout avec nous toutes nos aventures, tous nos délires. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. Bisous.